Gaëlle Dabo pour Paul Léonard. Il va falloir proposer des solutions sur le côté. Ouais, ah, c'est bien, bien joué ça avec Jérémy Collin qui va pouvoir adresser un bon centre. Pourquoi pas, c'est bien joué au premier poteau. Et c'est dégagé parfaitement. On a du camp de QRM, le bon relais. Encore une fois, Paul Léonard pour le deuxième centre dangereux. Arnaud oui, oui. Nolem et la reprise. Et c'est sorti miraculeusement par cette équipe de QRM. Il y avait deux possibilités, deux options. Hein. Elriti. Ah, ça va passer. Il est encore tout seul, Jérémy Collin. Le contrôle manqué. Malgré tout, il peut frapper. Sans problème hein, sur cette pelouse. Attention à ce ballon dans la course de Romain Basque qui a vu Guezoui qui traînait. Attention à Mehdi Guezoui. C'est la première grosse occasion là de la part de QRM. Il n'y avait plus que la finition. Ballon côté gauche, Hamza Saki. Saki qui rentre sur son pied droit qui tente de trouver deuxième poteau. C'est pas mal joué. Voilà. Bien joué encore la volée de Jérémy Collin. Et encore une nouvelle fois toute seule. Hein. Attention là avec ce ballon. Avec Rogi pour Toflip sur le côté droit. Toflip le centre, deuxième poteau à destination d'Oumarpouille sur son pied droit. C'est voilà, lourde frappe d'Oumarpouille. Et c'est sorti la belle parade d'Olivier Robin qui veillait au grain. Ballon perdu, Oliveira. Rogi plutôt pour Guezoui. Attention qui est passé. Une fois, deux fois Guezoui. Et il se heurte à la muraille. Olivier Robin. C'était quand même très dangereux. Et ça passe pour Elriti. Pourquoi pas un bon centre. Le latéral gauche au spinalien, il est bon ce centre. La tête de Gébignon. Et encore une parade du gardien. Allez, deuxième chance pour lui. Voilà, faut mettre devant. Voilà, c'est bien joué. Un bon ça. Centre, encore une fois. Oh là là. Avec Jérémy Collin face à Dan Delaunay. Et c'est encore lui qui sort vainqueur du duel. C'est dingue. Semble-t-il pas vu hein, ce qui s'est passé dans la surface. Attention encore une fois avec Paul Léonard. Le pied gauche, ça reste toujours dans les... Ah là c'est pas possible. Ouais c'est parti, la bonne tête et c'est le but. Ouais c'est le but. L'ouverture du score contre le cours du jeu signé Romain Basque avec cette tête lobée. Côté spinalien, on s'appuie sur Arnold Lem, il est passé face à bas une fois, deux fois. Magnifique ce qu'a fait Arnold Lem. Hamza Saki qui rentre sur son pied droit comme souvent, le centre deuxième poteau, c'est bien joué. Ouais c'est l'égalisation. Le but de Jérémy Collin. Le but de Jérémy Collin. On l'avait vu, on l'avait senti, et bah il est au rendez-vous. Ouais c'est mérité, ouais, vraiment depuis le début du match c'est lui le plus dangereux. Abdoulaye Diawara c'est bien joué, il est tout seul côté gauche, il arrive, attends, ça sera le cas. Anis Elriti, le centre côté gauche, il est tout seul, encore une fois. Oh c'est Gébignon. Ah oui. Nul ce soir compte tenu de ses 3 matchs en 8 jours. Guezoui qui a tenté de passer tout seul face à ses stores. Attention, oh, il est tout seul. Oh c'est cruel. Mais ça fait 2-1 pour Quevilly-Rouen. C'est invraisemblable. 89e minute à la suite d'un contre. Oh, le contre pour les rouges de QRM, il est parti. Il va y aller tout seul. C'est le capitaine, c'est William Seri qui est parti. Et il va presque jusqu'au bout. Hein. Il y a Timothée Delette qui est revenu. C'est terminé sur cette victoire. Un petit peu contre le cours du jeu, mais...